Alors, où que c'est-il que c'en est? Voilà. Alors, je m'arrange l'écran. Didadidadoum. Là. Hop, voilà, je crois que là, il est au maximum de sa taille. Voilà, c'est ce que je chantonnais. Final Fantasy IX, les matins de l'aventure. Acte je ne sais combien, 16h23 de jeu. Et nous sommes sur la route des fossiles, en route vers le continent extérieur. Coucou Psychalite! Re-coucou! Re-coucou, coucou! Alors. Ah, tu me suis? Bah oui, moi, comme je. Je ne savais pas forcément. Oui, car je discutais avec Psychalide tout à l'heure, donc. Alors, si le son du jeu est trop fort, tu me le dis. Oui, Wisebot, toujours là, fidèle au poste. Ah oui, donc là, je suis dans un truc un peu compliqué où il faut que je me déplace en utilisant des gorgones, des espèces de gros, enfin de grosses bêtes velues qui me déplacent d'une partie à l'autre d'une caverne. Je dois donc en sortir. Et là, c'est un petit peu labyrinthique. Alors, on voit que ma petite daga est triste. Ouh, l'écran est beaucoup noir. Alors, attendez, je vais voir si j'ai... Ah ouais, c'est pas forcément mieux, en fait. Non, on va éviter la webcam. Hop! Ah! J'ai dit, on va éviter la webcam! Bon, bah, en fait, non. Bah, l'écran... Pourtant, j'avais pris une capture qui était meilleure, normalement. Bon, bah, du coup, quitte à avoir un écran de même taille, autant mettre la petite déco qui va bien. Alors, magie bleue. Qu'est-ce que tu as en magie bleue, toi? Allez, on va attaquer tous les adversaires, les volants en plus, ça craint la flotte. Hop, un petit foudre sur tout le monde. Soin, est-ce qu'il y a déjà un soigné? Ouais, on va soigner Queena. Queena Matata, comme on dit. Ah, celle-là a été ratée. Voilà, on va la frapper. Ah oui, j'ai équipé Bibi. Yo Ragnam, comment vas-tu? C'est étonnant de te voir en matinée par ici. Mon cher comparse. Mon camarade, mon ami. C'est un plaisir de te voir ici en matinée. T'as vu de la lumière et t'es rentré. Bah, du coup, tu es toujours le bienvenu. Tu le sais bien, tu es ici chez toi. Bon, on va balancer Fou de plus parce que ça commence à me gonfler. Est-ce que tu connais un peu Final Fantasy IX? T'es pas très FF toi, non? Alors, est-ce que... Ah, faut affaiblir avant de manger. Ça veut dire que je les ai même pas affaiblis. Bon, après, on va réessayer de... Oula, petit lag. Ah mince, t'as loupé juste le 9. Ah, il est bien le 9, hein, pourtant. Bon, le 10 est bien aussi. Le 8, je connais pas trop, en fait. C'est le seul que je connais pas. Queena qui a la particularité, la faculté d'avaler les adversaires pour absorber leur magie. Ce qui est pas mal comme talent. Enfin, pour absorber certaines caractéristiques et du coup... Ah ben comme Matador. Matador était un fondu du jeu de cartes. Allez, Queena, va avaler.
Ah bah voilà, j'ai appris Nocturne, ça c'est bien. Il y a aussi un jeu de cartes sur le 9. Hop, il a pris Lupin. Ah, enfin, je vais pouvoir mettre une bonne arme. Je connais pas le 8, moi tu vois j'ai fait le 7, le 9, le 10, le 12, le 13, le 6. Finalement celui que je connais le moins c'est le 8. Et quand j'aurai fini le 9, je me mettrai au 8. C'est dans mes projets. Donc là voilà, il faut se déplacer en activant des manettes. Non, c'est pas là. Oui, tu m'avais dit, toi, t'es pas très Final Fantasy. Alors voilà, donc le principe, c'est en fait, on tend. On se met au bout d'un couloir, on tend une plante, et il y a une gorgone qui vient nous chercher. Et qui nous amène sur une autre plateforme. D'ailleurs, le thème que vous entendez, maintenant, le joue au piano. Elle aime beaucoup. C'est le thème qui s'appelle Gorgone Roux. Donc là, vous voyez, il y a un chemin actuel. Et en fait, en fonction de comment je déplace des manettes, j'ouvre d'autres chemins. Alors techniquement, ça permet d'accéder à des trésors, à des plateformes aussi. Et le but, pour moi, c'est de sortir de la grotte pour pouvoir avancer. Bon, là, je n'ai atteint qu'un trésor. Et je crois que c'est une armure pour le gros Steiner. Donc du coup, là, je suis à un endroit un peu inutile. Hop, on se casse. Mince, on l'utilise où? Ah, là. Merci pour l'info et pour le lien, Ragnam. Je suis sûr que ça plaira à Matador, faudra lui faire passer l'info. Si tu peux me mettre le lien en MP sur Facebook ou sur ma page ou quoi que ce soit, comme ça je le filerai à Matador. Merci, Sieur Ragnam. J'ai vu. Bon, j'ai sauvegardé parce que j'ai récupéré un objet. Comment on fait pour atteindre cette manette là-bas? Alors on va voir. Aïe. Bon, on verra bien. J'irai voir moi-même d'ailleurs. Pour me familiariser peut-être avec le jeu de cartes, puisque je vais faire le 8, donc tant qu'à faire, si je peux déjà gagner du temps en me familiarisant avec le jeu de cartes. Alors, magie bleue, tu vas lui envoyer. Ah, c'est quoi le pouvoir que j'ai gagné? Nocturne. Nocturne, ah, ça provoque Morphée. Ah, ça peut être pas mal ça. Ah, maintenant qu'il a sa nouvelle arme, lui, il peut frapper. Terre pour Bibi. Salut CMGES, comment vas-tu? Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dort, pourquoi? Ouf. Oh là là, mais pourquoi tout le monde dort? Ouais, mais Morphée, moi je veux. Bon, voilà, ça c'est fait. Mais je pensais pas envoyer Morphée sur toute mon équipe, moi je voulais l'envoyer juste sur tout le monde. Bon, c'est pas grave. Donc CMGES, je suis au passage où on doit dévier. On doit faire évoluer notre équipe au milieu
Des gorgones. Alors c'est pas vraiment dans l'équipement qu'on a des antidodos. Enfin si, on peut jouer sur les capacités. En fait, c'est dans les compétences qu'on peut mettre. On peut mettre si je l'ai. Voilà, c'est nuit blanche qui protège de Morphée. Donc il se trouve que lui est équipé de nuit blanche. Alors plutôt tueur ou plutôt undead killer. Donc effectivement, si j'ai des ennemis qui attaquent à Morphée, on va voir si je peux équiper, si je peux mettre en compétence, si je peux activer partout la compétence nuit blanche. Bon, du coup, je... Voilà, on va se protéger Bibi de Morphée. Bah écoute, tu me diras ça quand le moment viendra. Je reste attentif. Allez, on va se promener avec notre gorgone. Mais j'ai pas réussi à atteindre les vannes pour le moment. Ah, le jeu de cartes est mort. RIP, jeu de cartes. Bon bah je passerai pas l'info à Matador alors. Moi, je me perds très vite dans ce genre de truc. Y a rien là? Non. Oui. Tu as loupé un boss. Mais en effet. Que j'ai fui, en fait, hein, comme un lâche. Hein. J'ai couru, j'ai sauté par-dessus les trous et hop. Ah ben c'est là, c'est de là où je viens, d'accord. Très bien. Alors ça, je l'ai fait, le boss que tu as loupé. Ah oui, il y avait aussi la chasseuse de primes. Fasse un jour un live de piano de musique de jeux vidéo, parce qu'elle en connaît quelques-uns, et celle notamment, comme je disais, Gorgone Roux qu'elle fait. D'accord, donc ça c'est juste pour aller là, c'est de là où je viens, donc ici on n'y va plus. Ouais c'est ça, il y a la meuf à battre là, je l'ai battue sans trop de problèmes, hein. Vers le nord c'est une impasse, mais de l'autre côté tu peux aller plus loin. Comment on atteint les... On peut pas... Ah! Non, là, c'est de là, il n'y a rien. Ah, c'est par là, je pense. En fait, je croyais que là, c'était le début. Ouais, j'achète toujours ce que le mog me vend. Dès que je croise ce mog là avec une armure dorée, j'achète. Même si c'est un peu de l'arnaque, je sais que ça n'en sera que bénéfique plus tard. D'accord, là c'est pour rechoper de la plantasse. Et là, on tourne une manette. Donc on va la modifier. Ça modifie le trajet de la gorgone. Hein. Hop, et là on reprend la gorgone.
Ah bon, c'est pas de l'arnaque? Je trouvais ça un peu cher. Enfin, un peu cher. Moi, de toute façon, je le prends. Alors là, on va aller explorer un peu. Y a rien. Ah, c'est des prix réduits? Ouais, tu vois, je croyais que c'était de l'arnaque, moi. Je croyais que c'était le principe, justement, c'était de vendre des trucs un peu chers. Mais pour un bénéfice qui est arrivé beaucoup plus tard. Mais bon, bah. Qui pour moi était une logique un peu intelligente. Après, j'ai pas fait spécialement attention, mais je prends. Parce que j'aime bien les mugs, moi. C'est mes copains, les mugs. Alors là, il n'y a qu'une manette. Hein. Ah, c'est la première manette. Donc, modifier. J'ai pas beaucoup de combats. Je suis plutôt chanceux, là. Voilà. Un combat. Je savais qu'en disant ça, j'allais provoquer le... Alors, est-ce qu'il est bon à avaler celui-là, CMGES? Oui, c'est le fameux micro. Alors fais l'arme, j'ai récupéré. Alors on va essayer de la bouffer. On va voir si ça va marcher. D'accord. Bon, on va essayer de la bouffer, de bouffer le griffon. J'ai bouffé les chauves-souris déjà, hein, donc j'ai nocturne. Éterrise. Il n'y a pas de souci. J'imagine que c'est pour le boulot. Bon boulot, Ragnam. À plus. Yes. Ah, le Mistral. C'est bien ça, le Mistral. C'est un vent ou c'est pas un soin plutôt? Enfin, un boost pour l'équipe, il me semble. Je sais plus. Ou alors je confonds avec un autre FF, ce qui est possible. Alors, compétences, équipement. Ah non, c'est elle qui a. On a pris Ramu. Du coup, on va lui mettre ça pour qu'elle puisse apprendre scan, éventuellement. Ah! Niveau plus, c'est bien. Donc on va plutôt mettre niveau plus, surtout qu'elle a un niveau un peu bas par rapport aux autres. Et on va activer de ce pas cette compétence. Donc, on va la protéger de mutisme. Bon, toxique poison, c'est pas vraiment... Voilà. Comme ça, elle augmentera plus vite de niveau. Et donc, compétence de Quina. Ah, j'ai déjà pas mal de... Mistral. Ouais, rétablit les HP de toute l'équipe. Donc c'est bien du soin. Eh, j'ai quand même des fois un peu de mémoire. Hop, on récupère la petite plante. Voilà. Eh ouais, comme on dit, Mistral c'est gagnant. C'est le Mistral gagnant. Tatatin. Ça donne du soin. Tatat de soin, du coup. Ouais, c'est très mauvais, je sais. Alors, où suis-je là? Je sais même pas où je suis. Est-ce qu'il faut que je tourne ça ou pas? Et oh, Clina. Quina et Blend. Ah oui. Est-ce que j'ai des objets contre ça?
souris, je l'ai même pas fait. Hop, très bien. Voilà, elle est plus. Merci. Oh, je suis déjà perdu. Est-ce qu'il faut que je réactualise l'autre chemin? Oui, oui, j'ai lu le... Ah non, je les aime pas. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose d'eux? Non mais en fait j'avais lu Quina est blindée et je pensais que tu parlais des magiques parce que oui effectivement j'ai quand même pas mal. Ah mince, bon bah elles vont toutes mourir. C'était peut-être pas une bonne idée de balancer Ramu. Alias Perfouras. Au premier indice. Ouais, j'ai un peu abusé là. Et comment on vainc la tristesse? Parce que là, je crois que... Enfin, moi, je me perds dans ces trucs à chaque fois. Alors, équipement. Alors, est-ce que t'as mieux? Ouais. Là, elle a pas mieux. Hein. Non. 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 Des figeurs, non. Marche pas le remède. Des embrouilles, pas la peine. Non, bah j'ai rien, donc il va rester triste notre ami Bibi. Pauvre Bibi. Tout 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 tout. Re Ragnam. Re-bienvenue. La bûche était déjà tirée. Hein. Ça commence à être pas bon, j'ai un œil qui pleure. Je vais mettre mes lunettes. Voilà, je me passe un petit mouchoir sur l'œil. Je vais peut-être me mettre du collier, moi. Alors, où suis-je maintenant? Je me suis perdu. Ah, me revoilà à Casse-Dépa. Ah oui, mais parce que maintenant je peux aller par là-bas. Bon, on va en profiter. Ah, un combat devant les mogs, c'est traître. Alors, qui veut se battre? C'était pas prévu? Soigner Bibi. Bien joué Bibi. Qu'est-ce qu'il est bon ce Bibi. Ah oui, avec Boomerang, il faut que je mette absolument auto-potion en fait à Bibi.
Non, très mauvaise idée ce que j'ai eu comme d'enlever auto-potion à Bibi. Parce que comme il a boomerang, il faut que je compte sur son auto-potion pour le soigner. Alors, je sais que dans certains Final Fantasy, le boomerang ne soigne pas un mort. Enfin, si quelqu'un est mort, des fois, ben, même si on le soigne, ça, le boomerang fait effet. Est-ce que là, c'est le cas dans celui-là? Alors, donc... Ouais, j'ai sidéral, c'est bon. Ok, merci. Donc du coup, plutôt que de multisme, tant pis. Et là, on va garder tout doux. On va garder tout doux, voilà. Hop, on va faire une petite save. Des fois, dans certains FF, quand on meurt, et qu'on a un objet ou une compétence boomerang, même mort, le boomerang fait effet. C'est-à-dire que des fois, on peut essayer de soigner son allié qui a boomerang. Même mort, ça renvoie les sorts et du coup, on peut pas le soigner. Enfin, on peut pas le ramener avec la magie. Est-ce que c'est le cas dans ce FF? Voilà, c'est plus clair. D'accord, ok, bon bah tant mieux. J'ai toujours trouvé ça un peu pourri et... Parce que du coup, moi, boomerang, j'en ai une grosse méfiance. Mais c'est vrai que ça peut permettre de préserver les mages à condition d'avoir derrière un moyen de les soigner par la potion. Et donc auto-potion convient bien, je trouve, avec boomerang. Enfin, c'est ma stratégie. Ah, c'est là qu'on va creuser, non? Ah non. Bon, ça, j'ai... Tort, j'ai pas. Alors, on va prendre... Bon, ok. J'ai combien j'ai de potions? 30. Bon, ça va, je suis tranquille. D'accord. Ciao ciao Ragnam, bonne réunion, bon meeting et j'espère que ça avancera. J'espère pour toi que ça avancera. Allez, bisous bisous, ciao ciao. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça c'est pas bon, je crois. Dans mes souvenirs, non? On va essayer de les bouffer, ouais. Oh, ils m'ont rendu muet. Ils m'ont rendu muet. Ah non, c'est pas bon. Ça se mange pas. Comme à un moment dit maître Karine à... Ah mais j'ai déjà Nocturne. J'ai eu en bouffant une chauve-souris. Comme dit à un moment donc maître Karine à Sangoku dans Dragon Ball. Dragon Ball, hein, pas de Dragon Ball Z. Quand il donne le nuage magique, il dit est-ce que... Sangoku demande s'il peut le manger et l'autre il dit non ça se mange pas, ça se respecte. Ben voilà, c'est pareil. Oui, je l'ai eu en bouffant les chauves-souris nocturnes. On va aller voir là-haut. Regarde. Je vais te le prouver. Nocturne, tu vois là, à 14 en bas. Par contre, ce que je voulais, c'était... Voilà, hop. Ah, j'ai vu qu'elle a, elle a 3 emplacements maintenant. Non.
Ah non, ton potion. Pas pour Quina. Alors on va aller voir là-bas d'abord, avant de toucher à la manette. Ah d'accord, c'est notre Gorgone. Mais qui est dans un endroit que je connais pas, alors je vais pas toucher à la manette. Je vais d'abord aller voir et ensuite on va éventuellement toucher à la manette. Je suis pas très très fan des labyrinthes. Alors je reconnais tout à fait leur intérêt. Ludique. Là, ça n'est que du goût personnel. Allez, il y a un boss, non? Ah! Ah oui! Il y avait un coin. Ah non, c'est juste pour descendre, d'accord. Du coup, je sais pas. Est-ce que je vais aller voir ce qui se trame là-bas? Ah bah c'est pour creuser, non? Ah, il y a un coffre là-haut. Il y a un Jean-Pierre. Donc pas ici tout de suite, mais pas ici où? Bon, mais comme il y a un combat... Ah, je creuse, d'accord. Comme j'avais vu, va pas de suite, c'est ici. Ah, j'ai un bug là. Ah, c'est bon. Est-ce que ça freeze aussi chez vous? Bah, normalement, si ça freeze chez moi, ça freeze chez vous. D'accord, les chutes d'eau, c'est la fin du labyrinthe. Ah donc, je suis déjà à la fin du labyrinthe. Bon, ça c'est bon à savoir. Déjà, je sais comment terminer le labyrinthe. Bon, voilà. Elle est bien, cette arme de Jidan. Je vais peut-être aller soigner mes alliés un peu parce que là... Oh, joli! Alors... j'ai le... Ah, d'accord. J'ai eu du freeze. J'ai un peu de freeze ce matin, mais je crois que c'est mon ordi qui commence à galérer. Donc, ce que je veux, c'est les compétences de mamselle. On va utiliser son soin. Ouais, j'ai un peu de lag aussi, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout comment ça se fait, parce que ma configuration est la même que d'habitude. J'ai bien Twitch qui est pas activé, je comprends pas. J'ai exactement la même config que d'habitude. Hein. Donc on va creuser. Bon après heureusement que c'est pas un jeu d'action, mais ça lag chez moi, ça lag dans mon jeu. Donc j'ai le même lag que vous moi en jouant. Alors comment ça marche pour creuser? Ah non, 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 non. Alors, où creuser? D'accord. Rien.
Ah d'accord, c'est du pif total, y a pas de... Y a pas de limite ni rien en fait, c'est on creuse tant qu'on... Jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on veut trouver. J'ai eu du bol, premier coup de pioche, j'ai eu un truc. C'est plutôt généreux. On va aller voir en bas. Le mur de droite en haut. Alors on va en haut, voilà. Et ce mur là. Ah, ah oui, d'accord. Il y a un Kubo. En fait, après on fait tomber le mur, j'imagine, c'est ça. Il y a un Mog. Pour sauvegarder hein. Merci pour le tuyau. Je crois que je l'avais déjà fait ça une fois. Bon, avec beaucoup de chance et par hasard hein. Du coup là on peut plus creuser. Alors qu'est-ce qu'il faut choper là d'intéressant? C'est MGES. Outre les gemmes, j'en ai déjà deux. Je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus parce que mon but c'est quand même d'avancer. D'accord, la Maradine. Parce que j'ai pas envie de spammer un mur pendant des heures quand même. De creuser. C'est ton côté Minecraft aussi. Ouais, maxi potion, ça va. Non, c'est pas toi que je voulais miner. Ah, encore une gemme. Moi j'aime bien les miner. Mon chat Diao qui se prend pour le canapé puisqu'elle a les mêmes couleurs. Allez. J'ai rien trouvé en bas encore. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'en creusant plusieurs fois exactement au même endroit, on fasse ressortir un objet? Parce qu'on creuse plus loin.
Moi, est-ce que ça... Oui, je mine pour rien. D'accord, il n'y a pas de strat. Bah écoutez, si dans une minute, j'ai toujours rien sorti, j'arrête. Quelqu'un me tient le chrono ? Partout où il faut, hein. Ça marche pas, on peut pas le taper dessus. Et puis il est pas rose, il est blanc. C'est les reflets qui font qu'il est rose. Quoique c'est vrai qu'il a un blanc un peu. Pour l'instant, ça me mine. Pas d'autre endroit, hein, à miner. C'est quoi, c'est une pierre, la Mahadine? Est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs? Alors déjà c'est Madaïn, je sais pas lire, hein, oui. Est-ce qu'on peut la trouver ailleurs et est-ce que son utilité est unique? Est-ce que ça... Ah, c'est un accessoire qui est extra. Oui, ce qui est effectivement pas mal comme compétence, mais... On peut revenir ici pour creuser? Parce que je vais peut-être pas quand même passer... Ce serait dommage quand même, non de... Mince, non, je voulais pas sauvegarder. Bon, bah du coup, on va sauvegarder, tant pis. Il a ouvert le livre. Allez, on va taper un peu sur le mur en allant rejoindre l'autre. Mais sinon, je retournerai ici chercher la Mahadine sur en off. Si elle est vraiment indispensable. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. C'est juste des trucs brillants. Bon. Pas mieux toi? Non. Je check un peu l'équipement. Après, il apprend plus rien lui. Voilà la princessité, c'est bien. Elle peut apprendre plein de trucs, mais elle apprend déjà. Plus riche, autoboom ou nuit blanche.
Ouais, les nuits blanches, c'est le plus court à apprendre. Voilà, allez. C'est y part. On va aller explorer la Tegro. Oui, le jaune lard. Sur qui? Pourquoi? Ah, un combat. Ça sert à quoi plus riche? Bon, vu le nom, j'imagine à gagner plus d'argent. Le problème, c'est qu'avec ce. Avec... Bah oui. Parce qu'elle est aveugle. C'est bien une femelle, Quina. C'est pas qu'elle est en train de pourrir, en fait, c'est qu'elle a, elle est aveugle. Enfin, elle est aveuglée, elle a... Elle voit plus très bien, ce qui fait que quand elle fait des attaques au corps à corps, ben elle... Elle tape pas très bien. Alors, CMGES, on va t'écouter. Tu vas voir, hein, je t'écoute. Alors. Donc, déjà, on va. Non, mettre équipement. Oui, Quina, c'est pour ça que je l'aime bien. Elle est plutôt complète. Et donc on a dit objet soigne obscurité. Hop, voilà, elle n'aura plus son nuage noir. Un nuage gris sur les antennes. Une langue, je crois. Il n'y a rien là. Ah, si, il y a quelque chose. Gilet camo, c'est un truc de mage ça, non? Ouais. Alors, équipement, voilà, ça là, c'est confirmé. C'est quoi déjà? Ah non! Bon, tant pis. Mobilis, protège de stop. Ah. Un stop, c'est moins violent que tout doux quand même. Hein. Tout doux, je crois que s'ils sont tous transformés en pierre, c'est la fin du combat, non? Alors que stop, ça peut toujours... C'est un réflexe, quand je suis attaqué par derrière, je fuis. Je sais, je devrais pas forcément. Mais c'est un réflexe. Comme je disais la dernière fois, dans Final Fantasy VII, quand on attaquait par derrière et qu'on fuyait, on revenait face à l'ennemi et du coup ça... Bon, donc là, il n'y a rien. Allez, on va aller explorer le reste. Des endroits que je n'ai pas encore vus dans la mine. Non. Comment on fait pour revenir sur nos pas là?
sans se faire cracher dessus. Ah d'accord. Ah si. C'est vrai que Quina, c'est pas le personnage le plus réussi, esthétiquement parlant. On voit pas très bien. On imagine difficilement en fait sa tronche, c'est. Oh! Mon dieu, qu'est-ce que c'était laid. Bon, allez, on va attaquer, on va pas s'embêter. On dirait une espèce de gros bonhomme de neige. Quand même, ça m'a su là. Côté de l'attaque de Bibi. Il y a un petit coup de fourchette dans les yeux. Ah d'accord, faut passer par en bas en fait. Donc on va aller. Ah! Ouais, d'accord, la massue attaque avec un. Enfin, elle fait mal, bon, c'est. C'est mieux que Bibi, quoi. Elle a plus auto. Ah si, elle a auto. Merde. Bon bah du coup j'ai fait un petit coup dans l'eau là. Généralement les oiseaux ça craint la foudre. Ah ça va se soigner. Et en attaque. Normalement, je pense que je devrais en finir. Ah, c'est tout. Voilà, le soin inutile. Encore. Ah non, rafale. Pas Mistral, voilà, là c'est bon. Hop. Ah d'accord, donc c'est bien de, si on a des trucs qui peuvent booster la chance de Quina. Ok, c'est bon à savoir ça. Ouais, y a pas de. Ah, c'est pas là. Où est-ce qu'on l'utilise? Ah, c'est là. Là-bas, je crois qu'il y a un endroit que j'ai pas vu. Parce que je n'ai pas activé une manette.
de mémoire. Donc là, il faut que j'active la manette. Et après, je crois qu'on va pouvoir partir. Hein. Donc là, j'active la manette, je modifie. Non, j'ai pas chopé la tiare. Justement, je crois que c'est ce que je vais essayer d'aller choper là. C'est pas là. Ah si, c'est là. Là, je pense que c'est le seul endroit où je suis pas allé encore de la grotte. Voilà. Et la tiare, c'est pour mademoiselle, non? Quoi, je mettrais bien une tiare à Didan, moi, pour rigoler. Ah, bien! Parfait! Ce dont j'avais besoin! Allez, on va finir le labyrinthe. On aura fait toute notre séance sur ce labyrinthe. C'est par là hein, qu'il faut se mettre. Maintenant, j'ai envie d'aller voir l'air un peu. Alors là, il faut que je réactive la manette. Est-ce qu'il y a un combat juste après que je vois si je fais une petite teinte sur le mog ou pas. D'accord, très bien. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ah, attention, je prends le risque de tomber sur un boss. Non, c'est bon. Ah, flotte. J'ai pas voulu aller là-bas. J'y suis allé là-bas. Y'a pas quelque chose à récupérer là-bas? Y'a une gorgone? Mais je suis pas allé la voir, celle-là de gorgone. Y'a rien là-bas à aller chercher? Ah si, ou alors je l'ai fait. Ah, je sais plus. Non, mais je pense que j'ai récupéré tous les objets dont tu m'avais parlé. Hein. Bon, allez, on se barre. Fuyons. Bon allez hop, au point où on en est, on va aller au bout. Ben, je pense que dès que je sors de la gorge, je sauvegarde et on va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Comme ça, c'est bien, ça fait une séance, une séquence. Après, je vais retourner à ma thèse. Bah, je vais aller vérifier ce qu'il y a dans la grotte par la partie. Après, on est sur la carte hein, pour sauvegarder, c'est ça. Hein.
Alors, viens là, petite fleur. Je pense qu'il faut aller au bout là-bas, sur le quai. Non? Ah si, là. Il y a des fouilles avec le chocobo. Ouais, notamment pour avoir le chocobo bleu. Et j'ai le... Mais ça, les chocographes, tout ça, je vais essayer de les faire. Si, je suis venu ici. Je suis venu ici. Ah! Mais les trucs de chocographe, comme creuser, tout ça, c'est des trucs que je ferai un peu... hors live. En off. En tout cas, Psychalid, j'ai noté que tu faisais une fixette sur Quina. C'est pas la première fois que tu fais des remarques sur cette pauvre Quina. Tu devrais bien l'aimer, elle cuisine. Regarde, elle a une toque de cuisinier. Le problème, c'est que la toque est de la même couleur que le... que la peau, et du coup, ça fait vraiment bizarre, mais... Et puis si elle tire la langue, c'est parce qu'elle goûte. C'est une goûteuse. Ah, on réapparaît là. Oui, je ne vois qu'elle. Elle se bat avec une fourchette. Voilà, c'est la... c'est une sorte de mousquetaire, finalement, un peu comme toi. Et elle est où du coup la gorgone du chemin numéro 3? C'est celle qui est là-bas au bout? Ouais, je pense. Bon après, c'est bizarre, son côté bouffeuse de grenouille est un peu... Donc il faut que je cherche le carrefour. Ah, le carrefour numéro 3. La gorgone du carrefour numéro 3. Ah, un peu de lag. Oh. C'était en bas. Ah d'accord. Oui oui, là je suis au bout de l'autre chemin en fait quand on prend en bas. Oui oui, d'accord. J'ai confondu. Merci CMGES encore une fois. Tu me fais gagner un peu de temps. Un peu de temps précieux. Il va falloir vraiment que je m'intéresse à la RAM de mon PC parce qu'elle commence à souffrir. Enfin, je pense que c'est pour ça que j'ai du lag. On combat pas quelqu'un qui tient une fleur. Ça se fait pas. Ah ouais, toujours aussi bon, toujours aussi précieux. Oh, je commence à avoir faim, d'avoir parlé de Quina, ça m'a donné faim. Bon allez, on va un petit coup de ramu de temps en temps, ça a jamais fait de mal. Bon, Jidan en mutisme, je soigne pas.
Ils sont quand même particulièrement moches, ces monstres. Ah, j'ai peur, j'ai cru qu'ils avaient résisté à ça. Bien joué, Mimi. Bon, j'aurais pris un peu de niveau quand même dans cette grotte. Allez, maintenant on se casse. Bye bye. Ah! Ah bon? D'accord. Bah ça, je l'ignorais, tu vois. Donc faut éviter de jeter, de balancer les. Allez, mourez, chauve-souris. Ah, il y en a une qui a résisté. Il suffit de les avoir dans l'inventaire, c'est ça, hein, du coup. Il y a une limite? D'accord. En forge? Continent extérieur. Nous voilà. Donc on va sauvegarder. D'accord. Bon, c'est la limite d'un. Pourquoi il vient pas le Mog? Il vient pas le Mog? Ah. Ah, c'est mon bouton carré qui commence à souffrir, on dirait. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On verra quand on y sera. Oui, oui, oui. Bah, si tu es là, tu m'aideras comme toujours. En tout cas, merci beaucoup. On va y arriver. On va avancer dans ce final. Dans ce Final Fantasy. Bon. Bah écoute, merci beaucoup CMGES, donc bisous Psychalide, salutations CMGES, salutations Ragnam, je vous embrasse tous, et merci Psyka. Et donc, prochain live pour moi, c'est dimanche, Alien, avec Daniel, comme d'habitude, et sinon, nous on se voit tout à l'heure Psychalide pour jouer, à Talisman. Allez, bye bye, à la prochaine, ciao ciao.